Info Total, c'est toutes les infos de l'actualité en résumé. Dans le monde, il y a près de 80 millions de monde qui parlent français comme langue natale pour ajouter à 190 millions de monde qui parlent français comme seconde langue dans le pays, ça qui fait environ 270 millions de monde qui parlent français dans le monde. Ou même quand vous regardez des vidéos, si vous pouvez abonner à Info Total, vous pouvez toujours faire ça et pas oublier d'activer la cloche de notification pour être capable de notification toutes les dernières vidéos que nous avons pour publier sur la chaîne. Français, c'est la langue officielle 29 pays. La plupart des pays ça fait partie des communautés francophones, ça nous relève francophonie. En Europe, français placé en troisième position comme langue qui peut parler dans le continent ça. Europe, pas seulement dans le continent, monde parle plus français. En Afrique, c'est une langue qui est presque établie dans tout le continent. Avec plus que 60 millions, la France c'est la plus grande nation qui parle français dans le monde. Là. C'est également origine langue ça. Canada, c'est le deuxième pays francophone dans le monde. Là. Avec 7 millions, Belgique avec la Suisse complété top 400. Mais cependant, il est estimé que moitié de la population francophone est trouvée en Afrique. En effet, 115 millions d'Africains qui vivent dans le pays francophone parlent français comme langue officielle ou deuxième langue. Ce qui est plus étonnant, en plus d'Africains qui vivent dans des pays qui parlent francophone, mais ils apprennent à parler français. La France est reconnue comme langue officielle 29 pays dans le monde. La plupart des pays, c'est des pays qui font partie des anciennes colonies françaises. L'important pour noter, c'est un pays tant que le Canada a gagné plus qu'une langue officielle. Résultat, en pile dans le pays, ça y est, français pas première langue. La France a émergé comme une langue officielle, c'était durant le Moyen-Âge, grâce à l'influence du royaume français. À partir du 17e siècle, la France a remplacé le latin et est devenue langue officielle diplomatie à coup européen durant le 17e siècle. En effet, le colonialisme français a été propagé langue française dans une pile région durant le 16e et 18e siècle. Région Québec dans le Canada, où elle a été colonisée par la colonie française de 1534 jusqu'à 1760. Cependant, une série de guerres a fait la France perdre la plupart des colonies dans le 18e siècle avec le commencement du 19e siècle. Dans le 19e siècle, une seconde empire colonial a pris forme côté où elle est partie à la conquête des Arabes. Dans le 19e siècle, la France a contrôlé Sénégal, Côte d'Ivoire, République du Congo et Mali, qui sont des pays qui continuaient à parler français. La plupart des colonies françaises ont gagné l'indépendance tout de suite après la Première Guerre mondiale, mais la France n'a pas suspendu l'influence en Afrique jusqu'à la fin des années 60. Et la plupart des anciennes colonies françaises ont toujours utilisé le français comme langue officielle.